Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous poursuivons nos révisions avec mes apprentissages en français. Donc avec une activité de conjugaison, nous allons revoir ensemble l'impératif. Donc toujours sur le thème sécurité routière et code de la route, page 193, nous allons ensemble consolider et évaluer nos acquis en conjugaison. C'est parti alors, premier exercice, ici on vous demande de relever les verbes conjugués à l'impératif et de préciser leur personne. Ok, donc l'impératif on l'a vu lors de notre dernière euh, vidéo ensemble, donc dernière, dernier cours. Donc, euh, petit rappel, l'impératif sert à donner effectivement un ordre, un conseil, une interdiction. Très bien. Et donc il se conjugue à. Trois personnes, c'est parfait, tu, nous et vous, première, euh, deuxième personne du singulier, pardon, première et deuxième personne du pluriel. Très, très bien, donc c'est parti, premier exercice, petit a, il fait nuit, ne tarde pas à rentrer. Ok, point d'exclamation, je m'exclame, on est bien dans une phrase exclamative. Petit b, finissez votre travail. Ok, petit c, et de la patience. Et attention, pas aïe. J'entends souvent aïe non c'est e et ayons et, ayé OK si c'était aïe il y aurait un i tréma et aïe ça veut dire aïe tu m'as fait mal OK ça exprime la douleur donc c'est complètement différent ici c'est bien un verbe et eh bien il faudra voir s'il est conjugué à l'impératif et préciser la personne Sois bien attentif là aussi phrase exclamative tout comme la c et la a donc point d'exclamation à la fin on est bien dans une phrase exclamative, on s'exclame. Petite E, prends ton temps. Petite E, prends ton temps. Alors, je vous laisse, que, je vous laisse quelques instants pardon, pour euh, répondre et eh bien relever donc, les verbes conjugués à l'impératif. On a dit, hein, donc c'est vraiment les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Et donc, à de côté, vous précisez à quelle personne on a conjugué ces verbes. L'impératif. Ok Alors on passe à la correction. Donc ici, relève les verbes conjugales impératifs et précise leur personne. Petit A, il fait nuit. Alors il fait, là je ne l'ai pas relevé. Pourquoi Eh bien, euh, parce que déjà, je vous l'ai surligné en bleu, il y a euh, la présence du pr euh, pronom personnel il, troisième personne du singulier. Et on sait très bien que dans, euh, quand on conjugue à l'impératif, il y a absence du sujet. Le sujet n'est pas exprimé. Attention. Ok Donc là, il y a le sujet, donc normalement non. Et puis il fait, euh, c'est pas conjugué à l'impératif. Euh, D'accord, il fait c'est au présent, donc non, on ne, euh, on ne, on va pas tout simplement le, le relever. Ne tarde pas à rentrer. Alors ne tarde pas à rentrer, c'est bien le verbe. Tarder, ok Et donc là, je le relève, il est bien exprimé à la deuxième personne du singulier. Tu. Attention, ne pas exprime la négation. On l'a déjà vu ensemble. Ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. N', pas, rien, ok Donc euh, ici, c'est bien euh, la négation. D'accord Il n'y a pas de présence de sujet ni de pronom personnel. Ok, petit B. Finissez votre travail. Ici, c'est le verbe finir. Il n'y a pas de sujet devant, vous le voyez bien. Et, et donc, il est euh, ici conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous. Vous voyez bien la terminaison. C'est bien I de S E Z. Ok Donc, c'est ce qui nous indique que c'est conjugué à vous. Pour tarde, donc là euh, forcément on sait que c'est tu parce que euh, tout simplement à l'impératif, on l'a dit tout à l'heure, euh, l'impératif on conjugue à uniquement trois personnes qui est tu, nous et vous. Donc si votre verbe est l'impératif et que vous avez du mal à repérer la terminaison parce que souvent pour tu c'est soit e ou es, et hein, eh bien là c'est très simple, vous allez euh, tout simplement euh, retenir que l'impératif c'est soit tu, nous ou vous, ok Et le sujet n'est pas exprimé. Et comment vous allez le reconnaître Eh bien, en regardant la terminaison de votre verbe, ok Donc, on poursuit avec le c. Et ayons ayez Alors là, c'est le verbe avoir, ok Et ayons ayez Si on apprend nos verbes à l'impératif, on sait que c'est la deuxième personne du singulier, c'est tu. Ok, je vous le mets entre parenthèses. Petit D, sois bien attentif. Eh bien là, sois, soyons, soyez, c'est bien le verbe être, d'accord Être attentif, donc sois bien attentif, qui est conjugué à la deuxième personne du singulier, tu, à l'impératif. Ok, prends ton temps, ici c'est le verbe prendre, conjugué à la deuxième personne du singulier, tu. Okay, à l'impératif toujours. Donc, je le relève. Ok, on passe à l'exercice suivant. Donc, petit 2, recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Ok, donc on doit recopier ces phrases, donc on doit les réécrire, les recopier, ok, les réécrire. Hein. Euh, euh, avec donc le verbe qui est entre parenthèses qui est à l'infinitif penser respecter avoir être ok on vous indique aussi la personne à laquelle vous devez conjuguer ces verbes à l'impératif présent d'accord alors petit a penser deuxième personne du pluriel au piéton sur la route ok on réécrit la phrase avec le verbe penser à la deuxième personne du pluriel. Petit b, respecter, première personne du pluriel, le code de la route. Petit c, avoir, deuxième personne du singulier, confiance en tes capacités. Petit d, ne, donc là on a... La négation, ne pas, hein, donc ne être, première personne du pluriel, pas prudent. Ok, donc pour la der dernière phrase, vous êtes en présence d'une phrase négative. On les a vus aussi lors d'une précédente vidéo, phrase négative, phrase affirmative. Donc là, ne pas exprime la négation, phrase négative. Ok, donc je vous laisse quelques instants et on procède à la correction. OK, alors pour la correction ici, il fallait donc recopier les phrases, on a dit en conjuguant les verbes, entre parenthèses à l'impératif présent. OK, on vous donne même la personne. Alors ici, penser, deuxième personne du pluriel. Donc c'est penser, e er. OK, attention, pas de sujet. On va pas mettre vous penser. Hein, attention. Donc penser, ez, au piéton sur la route. Il faudra écrire cette phrase de cette manière. Penser, au piéton sur la route. petit b respectons le code de la route. attention pas de, pas de pronom personnel devant pas de nous respectons. Hein. on est d'accord impératif pas de sujet pas de pronom personnel devant donc on écrit directement respectons le code de la route. petit c aie confiance en tes capacités. Okay, c'est le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier, c'est tu. Aie confiance en tes capacités. Troisième, euh, dernière phrase, D, petit D, ne être, première personne du pluriel, pas imprudent. Alors ici, c'est ne soyons pas imprudents. Je vous ai surligné aussi là d'une couleur différente en violet. Euh, donc la négation, ne pas, donc c'est ne, soyons, donc première personne du pluriel c'est bien nous, donc s à, à la fin du verbe, ne soyons pas imprudents. Ok Alors on poursuit avec l'exercice numéro 3. Ici on vous demande de conjuguer à l'impératif et à toutes les personnes les verbes suivants. Ok, quand je dis à toutes les personnes, je rappelle qu'on sait bien qu'à l'impératif, on a uniquement trois personnes. Tu, deuxième personne du singulier. Nous, première personne du pluriel. Et vous, deuxième personne du pluriel. Ok Donc, ici, il faut conjuguer le verbe aller, le verbe mettre, le verbe remplir et le verbe. Écrire. Ok, je vous laisse quelques instants et on procède à la correction. Ok, donc on procède à la correction. Ici, on nous demandait de conjuguer à l'impératif et à les personnes les verbes suivants donc le verbe aller ça donne va allons aller ok donc pour tu nous et vous ok pour mettre donc ici c'est mais mettons mettez pour le verbe remplir c'est rempli I -S, remplissons remplissez Ok, pour le verbe écrire, on va écrire tout simplement ici, donc écrit is, écrivons, écrivez. Ok, donc, eh bien voilà, vous savez utiliser et conjuguer l'impératif. Je vous souhaite donc de très bonnes révisions. Ayez confiance en vous et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir.